Ah oui, j'ai oublié une dernière chose. Le parking pour cette année 2024, c'est 10 euros. Pour rappel, en 2017, c'était 5 euros. En 2023, c'était 8 euros. Et cette année 2024, c'est 10 euros. Putain, ça fait mal au cul. Hey, salut les passionnés, c'est Lord Authentique. On se retrouve dans une nouvelle vidéo, vidéo parc d'attraction. Vous voulez me dire encore? Oui, oui, je me trouve à Europa Park, voilà. Pour cette journée Europa Park, nous sommes le mardi 9 juillet, voilà, 2024. Je vais à Europa Park à l'occasion de mes vacances, voilà, donc je suis en pleine vacances estivales, enfin les vacances pour moi. Donc je vais vous faire montrer cette journée à Europa Park et surtout la découverte de Voltron, voilà. Découverte 2024, Voltron, la nouvelle attraction. Voilà. Donc ce sera beaucoup ça, je pense. Et puis des petites attractions que j'ai pas eu le temps de faire l'année dernière. Puisque j'étais venu en 2023, je remets le couvert en 2024. Puisque l'année dernière, je vous avais montré depuis Euromir le chantier de Voltron. Voilà. Cette année, il est en fonctionnement depuis le mois d'avril. Allez, c'est parti pour cette journée. On y va. Bon là, on est devant l'entrée, la grande entrée d'Europa Park. Hein. En fait, là, en dessous, c'est la gare de l'EP Express, c'est le gros monorail. Le gros monorail qui permet de parcourir le parc. Donc je vais aller un peu en mode feignant, quoi. Je vais prendre ce petit train monorail qui permet de faire le tour du parc. Et je vais me rendre dans le quartier grec, voilà, pour faire des premières attractions. Et je pense que aussitôt, je vais attaquer Voltron. Alors, petite précision pour les passionnés de Solex. Voilà, vous inquiétez pas, des vidéos Solex, ça va arriver. Début août à Chambly Circuit, voilà. Début août. Donc les vidéos vont revenir. Pour l'instant, c'est les vacances, donc je me divertis. Mais voilà, il y aura des vidéos Solex qui vont arriver très très bientôt, dans quelques semaines. Ta la ta 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 la ta 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 la ta ta. Bah Euromir est juste là. On va se le faire dans la journée. Euromir, tiens, et les wagonnets qui tournent là. On va se faire Euromir dans la journée. J'arrive à la station grecque. Ah bah tiens. Voltron. Voltron qui est juste là. Prochain arrêt, gare grecque. Et voilà, gare grecque. Je vais l'attaquer dans pas longtemps. Puis voilà, le nouveau quartier croate qui est là. Avec Voltron qui est derrière là. On voit Voltron. Bon allez. On va attaquer fort. Et puis on va sur Voltron juste après. Allez, c'est parti pour cette belle journée. Bon allez les passionnés, c'est parti pour Pegasus. Pegasus, et après je vais me faire Poséidon. On voit la Corsaire. Allez, c'est pas. C'est un peu tôt le cul. Mais voilà, c'est mis en bouche le matin. Voilà, je viens de me faire Pegasus, voilà, qui entre en gare, dans sa petite gare là-bas. Voilà. Je viens de me faire Pegasus. Maintenant, je vais me faire Poséidon, le fameux water coaster. Voilà, il n'y a pas grand monde. Voilà, bon, autant de se faire mouiller dès le matin, ce qui n'est pas coutume. J'attends toujours un peu un moment la journée, plutôt l'après-midi pour le faire. Voilà. Et je vais me faire Poséidon. Je vais me mouiller, tant pis. Hein. C'est comme Opal avec Fjord Explorer ou un Igloland avec Krampus Expedition. Et puis ici, à Europa Park, c'est Poséidon. Voilà. C'est parti pour le water coaster de Europa Park. Allez, on va faire ça. Ça va pas tarder. Flash, youpla. Voilà, tu vois, il n'y a pas grand monde, c'est le temps d'en profiter. Temps d'attente, il est ridicule, c'est doit être en embarquement immédiat. Ah, je suis en train de passer une barrière là, donc tu dis embarquement immédiat. Allez, c'est parti. Ok,
C'est vrai que j'ai pas eu le temps de jamais montrer la déco. Voilà. La déco de Poseidon en intérieur. Voilà, je suis l'attente. Allez, c'est parti pour l'embarquement en Midia. Bon bah voilà les passionnés, je me suis fait Poseidon, je suis un peu mouillé, mais c'est pas grave, voilà. Ça y est, on est dans le CARC avec Voltron qui est juste en face de moi, voilà. Donc je me suis fait Poseidon, malheureusement comme un gros bêta, j'ai pas démarré la caméra sur le torse, voilà, malheureusement. Là je vais me faire l'entrée solo, il doit y avoir un temps d'attente monstrueux puisque c'est la nouveauté. Mais je vois pas tourner, c'est ça qui est bizarre. Je vois pas tourner, je vois aucun train tourner, c'est étrange. Il y a vraiment un problème technique. Donc bah, je vais voir s'il y a ça, sinon je vais aller ailleurs. Hein. Je vais voir. Bon, bah, allez voir ça, s'il n'y a pas de problème technique, parce que je ne vois pas tourner. Mais absolument pas. C'est assez étrange, quoi. Ouais, non, je vois rien du tout. Bon bah écoute, moi je crois que je vais en revenir plus tard parce que pour l'instant je vois rien, pas de train tourner. C'est étrange. Je vais avoir un problème technique. Bon bah c'est tout. Écoute, je vais te montrer la zone, tiens. On va découvrir, c'est tout nouveau. Toute nouvelle zone. Voilà. Ah c'est pas mal. Toute nouvelle zone. Donc on va montrer ça. Bah tiens. Tiens, une voiture, le sponsor de l'attraction Rimac. Sponsor, voilà. 1914. Bah tiens. J'ai vu le stand Rimac, j'ai vu une Rolls Royce de lui. En fait, non, il n'y a pas de sens. Nevera, voilà, c'est le nom de la bagnole. Nevera, un supercar. Voilà. Tiens, elle est sympa, ça, la petite zone ici. Elle est sympa. L'année dernière, je t'avais montré ça en vidéo depuis Romire. Là, ah oui, il doit y avoir un problème technique, parce que ça c'est la file d'attente. Ouais. Je sais même si on peut monter là-haut. Il y a une tour. C'est pas grave, ça à mon avis il y a un problème technique sur Voltron. Bon bah on repassera. On va repasser, c'est pas grave. Allez, on continue cette journée. Bon bah en attendant la remise en service de Voltron qui est en panne, je suis en arrière depuis Euromir, ça c'est un avantage, je vais pouvoir surveiller. Bah je vais me faire Euromir, tiens. Voltron est en panne, bon je vais me faire Euromir. Allez c'est parti. Ah bah 10 minutes, embarquement immédiat. Là là, la musique. Là là là, là 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 là. La 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 la. Elle est dantesque cette musique. Bon allez, on va se faire Euromir. Allez, c'est parti pour Euromir. C'est un peu dans le noir, c'est de l'eau. Si on voit, il y a un train au-dessus, bien bien au-dessus, voilà. Il y a deux trains en fait dans le Lodge. Il y a deux trains dans le Lodge. Là, 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 là. Une petite réflexion de l'attraction ne serait pas de mal. Par contre, la musique, non, on ne change pas la musique. La musique est culte. La musique est culte. La déco. Voilà la déco, ça va.
Là, la sortie là. Ah oui. Hein? C'est parti. Hein, c'est... Allez, c'est parti. Ah. Non, Voltron toujours en panne. Toujours en panne. Pas de Voltron pour l'instant. Que Opal avec le Twist. Allez, on marche avant. C'est parti. Oh, les vieilles, elle est vieille. Ouf. Ah bah non, je vais en marche arrière là. Ah bah t'as le cul là, ça va être tape cul. Oh la vache. Ah ça va être lourd là. Oh, oh là là. Aïe 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 aïe. Ah, je préfère le twist au pal, hein. C'est... Oh, oh, les... Oh, 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 les freins. En plus, regarde, c'est des freins à mâchoire, là. C'est une horreur. Ah, je préfère les freins magnétiques. Oh. Bon, c'est fait, là. Bon voilà, je me suis fait Euromir, tu vois passer en haut. Ah, je préfère quand même le Twist Opal, c'est le même modèle de train, mais c'est plus confortable Opal, tu vois. Voilà. Non, mais tiens, je vais voir la représentation de la station. C'est vrai que je suis jamais allé dedans à l'intérieur. On va faire une petite visite. Hein, on va visiter ça. Station 95. Was? On va visiter ça là, cette mini station là. Jamais fait, tiens. Parce que pour l'instant, Voltron, que dalle. Ça marche pas. Ah oui, le passage. Bon, faut dire que les trappes, c'est... on est un impresentateur, donc on touche pas le sol. D'ailleurs, normalement, il n'y a pas de sol tout court. C'est un cylindre, voilà. Normalement il y a un autre passage qui est là. Tac. Normalement il est censé avoir des commandes au plafond, mais bon, il n'y en a pas. Ah tiens, t'as la maquette, c'est vrai que j'ai pas montré. Où est-ce que je l'ai vu? Ah ben c'est là. Voilà, c'est ce qui est posé devant l'attraction Euromir, voilà. La mini-station, voilà, c'est censé être ça. Voilà. Hop là. Tiens. On va visiter ça, hein. Pas tout. Ah, j'avais cru MBK. MBK, ah, remarque, ça pourrait, hein. Comme le MBK, promissant MBK. Voilà. Ah mais d'accord, tu vois, l'absence d'apesanteur, voilà, ils s'attachent et puis font du vélo. Voilà. Il n'y a pas de siège, il y a... rien n'est plafond en fait. Tu as une chambre à coucher, voilà. Et en fait, rien n'est plafond là-dedans. Tu vois, il dort là, de côté. Rien n'est plafond. On va se mettre là pour manger, peut-être, je sais pas. Mais... Hop. Bon, bah voilà.
Bon, je vais te montrer ça, mais je crois que je vais m'attaquer les Blue Fire parce que je suis un peu amer ce matin, tu vois. Faut le trou en panne. Bon, après, ça arrive, hein. C'est des machines, hein. Ça peut tomber en panne. Allez, direction le quartier norvégien avec Blue Fire. C'est parti pour Blue Fire. Bah tiens, je vais de nouveau faire mon feignant, je vais prendre le monorail. On peut aller au quartier norvégien, voilà, où ça me raccourcira. Allez, c'est parti pour le quartier norvégien via le monorail. Tiens, les petites voitures thermiques, comme à Nigloland. Même principe. Bah, de toute façon, Nigloland est un bon gros client de MacRide, voilà. Donc, moi je dis toujours, Nigloland, c'est un mini Europa Park. Hein. Ça ressemble beaucoup comme ça, hein. Mini Europa Park. Là, je fais un peu le tour, tu vois. Là, il y a le P-Express, le gros monorail qui passe. Là, je suis dans le petit monorail. Voilà, un petit monorail. Voilà. J'ai été voir le spectacle l'année dernière, tu vois, c'était pas mal. Spectacle d'acrobatie, un show. C'est pas mal, tu vois, ce spectacle-là. Le panorama ban, voilà, ça c'est le train qui fait le tour de parc. Faut que je me le fasse un T4. Après la digestion, après le repas, je pense. Je vais manger comme d'habitude sur les coups de 14h. Et puis j'espère que Voltron va remarcher parce que là, rien du tout. Si je viens qu'il n'y a pas Voltron, je vais me faire rembourser. Ah putain, ça serait bête, hein. Ça serait bête. Bon. Le quartier scandinave qui avait brûlé en 2018. Voilà. Là, ils ont tout restauré. C'est eux aussi qui a l'attraction Piraten in Batavia. Voilà. Ah, le raft. Le raft de... J'avais fait dernière, j'avais pris en vidéo. Et à un moment, il y avait une passagère. Elle s'est pris une giclée sur la... C'est mignon, avec des secousses. Ah oui, d'accord, il y a des vagues. Il y a des vagues simulées. C'est pour ça que ça secoue. D'accord. Ah oui, d'accord. Le raft. Bah là aussi ça mouille bien. Hein. La cascade, le raft. Ah, voilà. Ah, le bateau pirate qui est là. Le bateau pirate, je l'avais fait en 2007 pour ma deuxième venue au parc. Ma première venue, je rappelle, ma première venue, elle était de 1997. Je crois que c'était l'année de l'inauguration de Euromir. Euromir était inauguré en 1987, je crois que c'était là où j'étais venu la première fois. Allez, splouche ! Ça n'est nul, là. Oh. Ah, lui, là, vous pouvez une rincer. Il pleut, ça boule, c'est la fête à la grenouille. Et on se rapproche, voilà, de Woudan. Et Euromir est pas loin. Tu vois, ça permet de voir en hauteur, ça permet de voir des zones qu'on ne voit pas forcément. Là, tiens, Woudan qui passe, ça. Ça bombarde. Allez, c'est parti! Bon bah voilà, Woudan c'est fait, enfin, j'ai fait deux fois. La première fois sur la Single Rider, j'ai pas attendu grand chose, peut-être moins de 10 minutes. Mais la seconde fois, un peu plus long, ils ont fermé la file d'attente solitaire, donc j'étais à attendre 30 minutes avant de refaire mon deuxième tour. Et puis là, j'allais faire Blue Fire. Attention! Voilà. Tiens, il va passer là et il va se faire looping. Et hop là, c'est un très gros looping.
Mais en termes de sensation, c'est pas le plus impressionnant, le looping. C'est quand même ce qu'on appelle en anglais les gestalls, là, quand on est à l'envers. Alors, j'ai pas compris l'entrée. Non. Ah oui, il faut refaire le tour là-bas. Oh là, attends, on va faire le tour. Là, ils ont changé l'entrée de la dernière, c'était là-bas. Et là, ils ont changé. Bon, allez, c'est parti pour Blue Fire. Allez, c'est parti. Bon voilà, les passionnés, c'est bon. Voltron est en fonctionnement. Je répète, Voltron est en fonctionnement. Donc c'est le temps d'y aller. Voilà, je vais mettre dans la file d'attente solitaire. Bah tiens, on le voit. Hop, regardez, il va passer. Voilà. Allez, c'est parti. Je l'ai vu depuis le monoreille. Allez, j'ai dit je vais aller voir ailleurs. Et puis là, je vais y aller. Ça y est, je suis en plein cœur de du quartier croate de Europa Park. Je vais faire Voltron. Allez, c'est parti pour Voltron. Je vous filme ça en caméra embarquée. Ça y est les passionnés, on arrive en gare. Voilà, les trains sont là. Voilà, c'est parti pour l'aventure. Oui, premier rang. Les passionnés, je suis au premier rang. Premier rang. Premier rang. Premier rang, les passionnés. L'exclusivité. Premier tour de Voltron et premier rond. Super. On va se faire retourner. En plus, j'adore les sièges McRide, c'est plus confortable. Ah. L'ambiance, elle est pas mal. Alors, est-ce que le pré-show va marcher? On est en sauté. Montez les tendres. Ah oui, pré-show, reste à ce coup. Oh, I'm going to go.
normal. Voilà, on arrive à table d'hôte. On est à la... Are you fucking kidding me right now? Yes, c'est bon ça. Hein? Alors, dans quel sens? Par là ou par là? Ah oui, dans ce sens-là. Le sens de rotation n'est pas le même. Des fois, il peut dans l'autre sens, mais là, il est là. Et là, on va aller en marche arrière. On verra bien. Est-ce que c'est violent? Allez, on pêche fort. Ah oui! Wow. Oh, le coup de fucking hell! Oh la vache! Ah oui, wow. Oh, génial. Ah mais génial. C'est différent. Autant j'ai aimé Taron à France Zealand. Mais là on est secoué dans tous les sens. Monter, descendre, airtime. Ah oui, on a aussi tout dans la gare. C'est rapide. Hein. Bon. Nickel, génial, génial. Est-ce que les mecs ne sont pas trop écrasés, ça va? Non, ça va. Alors, première impression, oh, génial, génial. C'est pas de l'accélération forte comme Taron à Fratanzialand, genre le coup de pied au cul explosif. C'est plutôt des changements de figure à la droite, à la gauche, à l'envers. Voilà, c'est plus des changements de direction qui sont plus importants. Voilà. Par contre, c'est vrai que dans la place, on disait, j'ai entendu des échos qui ça vibrait pas mal. Bah, c'est vrai que les premiers tours, je sentais sur mon siège, ça vibrait pas mal. Après, ça a été mieux parce que peut-être moins sur du plat, mais voilà, c'est bien. Franchement, nickel. Hein. Ah, j'adore. Voilà, voilà, la clignaison. C'est pas là où le moment où on est plus, on sent plus. Peut-être à la redescente, mais ouais, c'est bien. Mais je vais enquiller, il est peut-être midi et demi peut-être, et je vais faire autant de fois possible jusqu'à les 14h, dès que j'ai vraiment vraiment faim, et puis là, et puis après je vais aller manger. Allez, on enquille Voltron, la nouveauté 2024. J'espère qu'on entend la caméra, il y a un gros brouhaha, on est à l'intérieur de la file d'attente. Je vais te montrer la décoration. Voilà. Elle est géniale. Et puis là, juste là, tu as l'animatronics de Nikola Tesla. J'ai bien animatronics. Voilà. Tout ça. Ça donne une certaine ambiance. Et puis là, on va déposer nos affaires dans des casiers. Un peu même principe que Fly à Fontainebleau. Fly, c'était des bracelets. Mais la vidéo, ce serait des cartes. Tu donnes une carte et tu mets ton sac dans le casier. Ça permet d'optimiser le rendement, le passage et puis le trafic des personnes pour accéder à l'attraction. On est pas très loin, la file d'attente pour tout le monde est là-haut. Ça, c'est aussi l'escalier en collimation, ça va être la file d'attente solitaire.
J'y suis presque, peut-être dans 20 minutes. Dans 20 minutes. La musique. Ah, il y a de l'ambiance là. C'est des éclairs. Je vais remonter parce qu'il y a beaucoup de bruit. C'est des éclairs qui nous jouent la musique de Voltron. Voilà, il y a une musique de Voltron. C'est très bruyant, j'espère qu'on m'entend. Et voilà, vous filmez ça en caméra embarquée. Voilà, allez, c'est parti pour Voltron. Allez, amenons la route avant d'aller manger. Voilà, c'est le moment d'aller manger. Il est 14h passé. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Bon, que dire de votre trou, c'est une dinguerie, je suis super content. Super d'attraction. Quand tu fais le premier parcours, parce qu'il y a un temps d'arrêt sur la table tournante, là, pour faire un partage de train dans l'autre sens, il y a la table tournante. Mais avant cette table tournante, tu te dis, mais des loups, qu'est-ce qui arrive? T'es vraiment dépoussolé, t'es bien orienté, quoi. C'est vraiment l'attraction qui donne la même sensation en termes de désorientation. Et dans le bon sens du terme, mais de manière plutôt positive. Donc, franchement, j'ai fait 5 fois, mais en fait, voilà, je pense que je suis quand même bien. Donc là, je vais manger, et puis je vais vous passer le jeu.
Ça y est, je me suis fait Arthur et les Minerais parce que je suis un peu perdu. Je change de quartier autrichien pour le Power Red Coaster, enfin le train de la mine, mais j'arrive pas à le trouver. Alors peut-être qu'en suivant le monorail, je vais finir par le trouver. Écoute, je verrai bien. Mais en tout cas, Arthur et les Minerais, c'est fait. Ça fait longtemps que je voulais le faire, mais c'est fait. C'est vraiment sympa. C'est un petit dark ride sur l'univers d'Arthur et les Minimoy, mais voilà, c'est vraiment sympa, c'est à faire. Bon allez, je vais essayer de me trouver le train de la mine parce qu'il est déjà 16h20. Le parc ferme à 19h. Ça y est, j'ai trouvé les bûches, la sortie est là. Où je me trouve l'entrée pour les bûches, je vais mouiller un petit peu, et après je vais faire le train de la mine. Voilà. On voit à peu près les rails derrière la chute du Flume. Il y a les rails, voilà, Alpen Express. Cherchez le nom, voilà, c'est Alpen Express. Le train de la mine. Et puis là, je vais faire le Flume où je me trouve l'entrée. Ah bah c'est bon, j'ai trouvé. 25 minutes d'attente, ça va. Ça reste correct. Allez, c'est parti pour le Flume. Thank you.
D'accord, c'est parti. Ça y est, je me suis fait le fou, mais le pauvre Red Coaster. Donc le fou, c'est la fameuse bûche, et le pauvre Red Coaster, c'est le fameux train de la mine. Il est vraiment confortable, ils ont vraiment tout refait à neuf suite à l'incendie de l'année dernière, en début juin 2023. Tout a été ravagé, enfin, il y avait une partie hangar avec toute une décoration, hein, tout un univers de parcours qui a été ravagé par un incendie. Et ça, ils l'ont tout refait à neuf, et même le train est tout fait à neuf, donc c'est confortable. Je valide. Il est moins rapide qu'avant. Je trouve qu'il est moins rapide qu'avant, que l'ancienne version avant l'incendie. Mais voilà, il est bien. Je valide. Enfin, je vais prendre le bar de Rabanne et je vais me rapprocher du Cyberstar. Et je crois que je vais finir comme ça la journée avec sur le Cyberstar. Bon allez, on continue la journée. Dernier tour de Cyberstar au premier rang. Pour la première fois au premier rang de mes quatre venues à Europa Park. Bon ben voilà les passionnés, ça y est, il est 19h passé, donc les attractions sont fermées. Je me suis mis dans un coin plus calme, dans le petit quartier suisse. Voilà, Schweizer Bobbahn, voilà, donc le bobsleigh suisse, il n'est pas très loin. Donc je vais faire un petit résumé de ce que j'ai fait comme attraction aujourd'hui. Donc je vais le faire par ordre alphabétique. L'Alpen Express s'est fait, voilà, donc je l'ai fait une fois, voilà.
histoire de faire cette attraction après la restauration suite à l'incendie en 2023 et voilà sa remise en service cette année 2024. J'ai fait aussi Cancan Coaster avec la grosse sphère, j'ai encore oublié le nom exact, voilà. J'ai fait aussi Euromir, j'ai fait Cyberstar trois fois, dont une fois à l'avant. J'ai eu la chance sur la file d'attente. Je remercie l'opératrice qui m'a ouvert la porte vraiment au dernier moment. Elle avait fermé devant moi, mais j'ai dit je suis tout seul, est-ce que c'est possible? Et elle m'a ouvert la porte, très sympathique, donc je la remercie. J'ai fait ce matin Poséidon, donc ça c'est fait, voilà, histoire de se mouiller parce qu'il y a quand même fait assez chaud aujourd'hui. J'ai fait Pegasus deux fois pour la mise en bouche. J'ai fait Blue Fire une fois, mais déçu de la file d'attente, pas optimisé, la file d'attente solitaire fermée, rien, enfin c'est un peu dommage. C'était un peu long, bon je l'ai fait une fois, voilà, ça me plaît bien, j'aime bien Blue Fire, donc j'ai fait, mais file d'attente pas du tout optimisé. Woodon, eh ben je l'ai fait deux fois, trois fois, je ne sais plus, mais voilà, j'ai fait, j'étais content de le faire, super content, un vrai canapé, très confortable, bien rembourré, pour une montagne sans bois, c'est génial. J'ai fait enfin Arthur et les Minimoys, ça fait longtemps que je voulais le faire, voilà, donc ça c'est fait. Et enfin, j'ai fait la nouveauté de cette année, Voltron. Alors Voltron, voilà, cinq fois, j'en ai bien profité avant de manger, voilà, super. Parce que malheureusement, le matin, il était en panne, voilà. Et quand il s'est mis en service, voilà, je vous l'ai montré en vidéo, j'étais depuis le monorail, je l'ai vu me fonctionner, où je dis, allez, j'y vais direct, et je me suis fait plaisir, j'ai fait 5 fois Voltron, la nouveauté 2024. Alors en termes de transport, je suis pas mal, pas mal déplacé avec les moyens de transport interne. Donc j'ai utilisé le P Express, voilà, le gros monorail est fermé. Et j'ai aussi utilisé le petit monorail. Donc le gros monorail a 4 gares, le petit monorail en a que 2. Quartier norvégien et quartier luxembourgeois, voilà. Donc il y a 2 gares pour le petit monorail. Et j'ai fait aussi le Panora Ban, voilà, le train, petit train vapeur, voilà. Il y a 4 gares dans le parc, voilà. Donc j'ai fait ce petit train vapeur pour me déplacer aussi. Alors pour cette journée, franchement, il a fait super chaud, mais très très lourd. Hein. D'ailleurs, dans les bâtiments fermés, dans les files d'attente fermées, c'était lourd. C'était étouffant, mais en tout cas j'ai passé une très très bonne journée. Voilà, je vais conclure sur cette vidéo. Voilà, c'est là que je vais conclure. Je vous remercie de votre attention. Les vidéos, c'est vrai qu'elles sont bientôt arrivées. Hein. Bien, comme j'ai dit, mois d'août. Hein. Ils vont dire, il est pas en attraction tout le temps. Oui, mais je vous oublie pas pour les fans de Solex. Donc, merci de votre attention et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus. Merci de votre attention. Pour me soutenir, mettez un j'aime, laissez un commentaire, partagez la vidéo, laissez un pourboire si vous appréciez mes vidéos et surtout n'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.